Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Me voilà de retour. Alors, on nettoie un peu les énergies. On va aller voir un petit peu quel message je peux vous faire passer. Voilà, on se met un peu de sauge pour nettoyer. Tac, tac, tac. Allez, un peu de sauge pour nettoyer les énergies des personnes. J'ai fait deux tirages, donc on s'enlève un peu les énergies. En tout cas, je voulais vous remercier encore et encore parce que la chaîne grandit un peu plus tous les jours. Je trouve ça vraiment, vraiment super. Gratitude infinie, les amis. Allez, on prend l'oracle des miroirs. On prend l'oracle des miroirs et on va aller voir un petit peu quel message on a à faire passer. J'ai baissé la caméra pour que vous voyez un peu mieux les cartes. Voilà, on y va. On mélange bien. Tac. Encore une fois. Voilà, c'est parti. On y va. Alors, mes guides, s'il vous plaît. Quel message j'ai à faire passer donc aux personnes qui regardent ce tirage aujourd'hui, donc mercredi 6 avril. Alors, on nous parle de loi. La loi, ça peut nous parler de la loi hein, au sens propre, une procédure, quelque chose, tout ça, ou ça peut aussi nous parler de la justice divine. Ok. On y va. Qu'est-ce qu'on a comme message encore, mes guides? Ça saute, hein? Je ne vous dis pas. On parle de santé, mais on peut parler aussi de votre cœur, de quelque chose qui peut soigner votre cœur. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre, mes guides, s'il vous plaît? Quel message? Oups. Alors, j'ai la carte de la jalousie, j'ai la carte de la triangulaire aussi, de l'énergie tierce peut-être. Énergie tierce, bien sûr, pas forcée que ça soit une rivale, ça peut être peu importe quoi. La tierce, ça peut être une situation, ça peut être quelqu'un de la famille, un ami, un frère, une sœur, une mère, un père, enfin voilà, une tierce personne. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre, s'il vous plaît? Alors, mes guides, qu'est-ce qu'on peut faire passer comme message? On parle de correspondance, de message, d'échange. Donc, peut-être que vous recevez un message, un email, un courrier concernant une situation qui, je pense, a quand même, vous a quand même beaucoup affecté au niveau de la santé, au niveau des émotions. Et là, on vous dit qu'il y a quelque part une justice qui se fait. Ça peut vouloir nous dire aussi que vous avez des nouvelles. Peut-être de la justice, une nouvelle peut-être qui vous met en joie, hein, qui vous réconforte, enfin, qui fait que vous reprenez quand même de l'énergie, tout ça, enfin, voilà. Et ça peut concerner un conflit avec une tierce personne. D'accord? Alors, j'ai la carte de la famille, donc ça peut concerner quelqu'un de la famille, ça peut concerner votre proche, votre compagnon, votre mari, votre femme. Voilà, et on parle de boomerang. On parle de retour à l'envoyeur. Ok, on va les mettre encore deux cartes et on va essayer de se faire une petite lecture plus approfondie. Qu'est-ce qu'on a d'autre, mes guides, s'il vous plaît? Hop là, on parle de chance. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Oups. On parle d'accusation. Alors, j'ai la carte de l'étranger qui a sauté. Du miroir magique et des accusations. Ok. Ça peut concerner un enfant. Alors, j'ai la carte de l'homme, de la naissance et de l'enfant. Ça peut concerner un homme ou une femme qui renaît quelque part, qui a peut-être aussi fait un travail sur son enfant intérieur. Hein, si ça vous parle. Donc, là, quelque part, avec la loi, la santé, la jalousie, la correspondance, comme je vous disais. Donc des correspondances, des échanges, peut-être des messages que vous allez recevoir de d'autres personnes aussi, ou quelque chose
qui vient de loin, quelque chose qui a été, qui est peut-être découvert aussi, hein, peut-être par une autre personne. En tout cas, ici, ça concerne quelqu'un de la famille. Ça peut concerner aussi un couple, une relation dans laquelle vous étiez. Et là, on parle de retour du bâton. Alors, ça peut concerner une situation, une personne proche de vous avec qui vous êtes en séparation. Il y a une rupture, en tout cas, de contact avec cette personne. Cette personne reprend peut-être contact avec vous. Il y a peut-être des nouvelles concernant cette personne. Voilà. En tout cas, il y a des nouvelles qui arrivent. Une forme de justice divine, un retour un petit peu à l'envoyeur, si c'est quelqu'un qui vous a peut-être blessé ou enfin je ne sais pas. En tout cas, c'est, on parle de chance, on parle de roue qui tourne un peu, hein. C'est une chance quelque part, parce que c'est comme si les choses se remettaient un peu à leur place, vous voyez. Donc si c'est une personne qui vous a blessé, fait un peu du mal, que ça soit quelqu'un de... En tout cas, on parle de quelqu'un de proche, on parle de la famille. On vous dit qu'aujourd'hui, la personne a un petit peu le retour du bâton, vous voyez, le retour à l'envoyeur. Ça peut nous dire aussi que du coup, vous reprenez un équilibre aussi par rapport à cette situation. Avec la carte de l'accusation, et vu qu'on a une justice divine, vous avez pu peut-être être accusé de quelque chose, hein, à tort. Et là, aujourd'hui, c'est comme si la justice venait enfin mettre les choses à leur place et vous rendre, vous disculper, en fait. Vous disculper. Ok. Alors, on va approfondir. On va voir si on peut avoir un peu plus de précision concernant cette justice divine, ces messages. On va aller voir. Allez, on y va. Est-ce qu'on peut avoir un peu plus de précision, s'il vous plaît? On parle d'ouverture, on parle d'opportunité, on parle surtout de votre destinée. Une porte s'ouvre. D'accord, une porte s'ouvre. Il y a en tout cas derrière, vous voyez, une maison qui peut parler de votre équilibre. En tout cas, il y a une porte qui s'ouvre. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire donc par rapport à cette justice divine? Une justice divine concernant donc peut-être un enfant. D'accord, concernant peut-être un enfant qui quelque part, alors peut-être une naissance, hein, ou peut-être un enfant, peut-être votre enfant intérieur, où il y a une forme de renaissance quelque part, quelque chose qui fait que vous êtes soulagé au niveau de votre enfant intérieur. Il y a peut-être par rapport à cette justice divine, ces choses qui se remettent à leur place. Hein. Voilà, j'ai la carte du changement en dos de deck et de la joie. Donc, il y a peut-être quelque chose qui fait qu'aujourd'hui, vous reprenez un équilibre dans votre vie. Voilà. Alors, on y va. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? On a encore la carte de l'étranger. Ça y va. La carte du choix. La carte de l'échec. La carte de l'argent. On va aller se remettre une carte. Et la carte de la culpabilité et du contrat qui a sauté. Alors effectivement, par rapport à ce jugement, hein, à cette justice, vous allez avoir un choix à faire. Un choix à faire parce que quelque part, c'est comme si vous avez été dans l'échec. Alors ça peut nous parler effectivement de... problème relationnel avec la famille ou avec une personne, un homme ou une femme, avec qui il y a eu un échec. Quelque part, c'est comme si la roue tournait, que vous alliez aujourd'hui vers une abondance, une renaissance. Vous vous êtes peut-être senti, mes amis, coupable de beaucoup de choses. Et en fait, aujourd'hui, on vient nous dire que il y a comme une forme de signature de contrat avec par rapport à cette personne ou par rapport à cette tierce personne, en tout cas à cette situation, les choses se remettent à leur place. Vous sortez quelque part de la culpabilité,
parce que vous vous êtes peut-être senti coupable hein, par rapport à ces échecs. Il y a l'argent aussi au milieu. Il y a peut-être aussi quelque chose à travailler au niveau. Alors ça ne pourra pas parler à tout le monde. Il y a peut-être quelque chose à travailler au niveau enfant intérieur concernant peut-être pas mal d'échecs au niveau de l'argent. Hein. Vous savez que l'argent est une énergie. Il y a eu peut-être beaucoup d'échecs concernant ça. Vous avez peut-être mis en place beaucoup de projets au niveau professionnel et ça a échoué. Là, on vous dit que voilà, il y a peut-être un travail à faire à votre relation avec l'argent. C'est un travail à faire sur vous, en tout cas, pour une renaissance, un renouveau. De toute façon, en ce moment, on est quand même beaucoup dans le renouveau. Beaucoup de choses du passé qui reviennent aussi à nettoyer, à gérer. En tout cas, vous allez être aujourd'hui confronté à un choix. Alors, on va aller voir si on peut avoir un peu plus de précision par rapport à ce choix, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on peut nous dire par rapport à ce choix? Alors, on vous parle donc d'un cadeau de l'univers qui concerne effectivement, ça revient, la famille. Alors, comme je vous ai dit, ou un couple, vous voyez, en bas, il y a le couple. Ou concernant un couple, en tout cas, j'ai la carte encore de la jalousie et de la triangulaire qui ressort. Donc, effectivement, peut-être qu'il y a une séparation avec une personne qu'aujourd'hui et que vous avez été peut-être dans une triangulaire avec la justice divine dans le jeu précédent. Effectivement, il y a eu peut-être une période un peu compliquée. Vous avez peut-être subi, vécu une séparation avec quelqu'un de très proche. Et aujourd'hui, c'est comme si les choses se remettaient à leur place. Donc, ça concerne une tierce personne. Donc, il y a peut-être, si vous étiez en couple avec quelqu'un, il y avait une autre femme ou un autre homme, hein, si vous êtes un homme. En tout cas, il y a des correspondances, ok, avec une personne avec qui vous étiez donc en distance. C'est quelque part pour vous, oui, quelque chose de plutôt fécond qui touche votre cœur, vous voyez. C'est, voilà. Il y a un compromis, il y a une négociation. Je pense qu'il y a peut-être une personne qui revient vers vous avec des explications pour signer une forme de nouveau contrat, de réconciliation, parce que j'ai la carte du compromis qui s'affiche aussi. Enfin, je ne vous dis pas le bazar, regardez. Une période quand même qui vous a mis ou mise beaucoup dans l'enfermement, hein, dans la réflexion. Beaucoup de peine, beaucoup de tristesse, beaucoup de remise en question. Aujourd'hui, c'est comme si quelque part, l'univers vous envoyait un cadeau pour que les choses se remettent à leur place. Voilà, pour que les choses se remettent à leur place, à leur juste place. Il y a un choix à faire, il va y avoir un choix à faire en tout cas concernant cette situation. Il y a un choix à faire. On va aller mettre quelques cartes avec l'oracle G, voir un petit peu. Moi, je pense que une personne avec qui vous étiez en séparation, en triangulaire aussi, va revenir pour négocier. Négocier quoi? Un retour peut-être. Voilà. Et en tout cas. Il y a en tout cas quelque chose de nouveau qui se passe. Un choix. Donc, on va aller mettre une carte sur ce choix. Voir un petit peu. Donc, ouais, on parle bien d'un choix à faire concernant donc une histoire sentimentale qui vous a mise ou mis beaucoup dans la tristesse. En tout cas, ouais, il y a une situation qui vous a fait beaucoup de mal. Donc, j'ai la carte de la sexualité, j'ai la carte de la rupture. J'ai la carte de la sexualité, de la rupture, donc dans votre vie, là, à côté, chez vous, voilà, qui vous a mis ou mise vraiment à mal, quoi. Le mental, vraiment, en vrac. Hein. Alors, quel est ce cadeau? Est-ce qu'on peut nous dire quel est ce cadeau, s'il vous plaît? Qu'est-ce qui se passe? On parle de chance, on parle d'opportunité. Ok, on parle d'équilibre aussi. Okay. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre? Et de renaissance. Il y a encore la carte de la renaissance, du renouveau. Alors, ou un renouveau avec cette personne avec qui vous étiez en distance et plus du tout en contact
qui revient à la communication, qui revient peut-être mettre les choses à leur place et qui fait que vous vous sentez revivre, enfin, il y a comme une renaissance, parce qu'en fait, peut-être qu'aujourd'hui, toute cette culpabilité que vous ressentiez, même par rapport à l'argent, cette culpabilité peut-être que votre relation a échoué, cette culpabilité peut-être aussi au niveau des enfants, vous voyez, peut-être que là, voilà, cette personne aujourd'hui revient dans votre vie pour remettre les choses à leur place, pour signer une forme de contrat avec vous, c'est-à-dire alors peut-être une réconciliation, peut-être je ne sais pas, hein, mais en tout cas, il va y avoir quelque chose, il va y avoir un choix à faire pour vous. Vous y pensez énormément et on vous parle encore de choix. On vous parle encore de choix. Alors attendez, on va rebattre un peu. Si on peut avoir juste une carte ou deux sur cette triangulaire. Sur cette carte de la jalousie. Pourquoi de la jalousie? Ou est-ce que c'est vraiment une triangulaire? Est-ce qu'il y avait une autre personne? Est-ce que c'est à cause de ça? Est-ce que c'est le message en fait? Allez, on va se mettre une carte sur la carte 19. S'il vous plaît, une carte. Une carte, un message sur la carte 19, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a? Alors, attendez, ça a sauté de tous les côtés. Ouais. Il y a quelque chose en tout cas qui vous était caché. Il y a quelque chose qui vous était caché. En tout cas, on vous parle d'une transformation. Quelque chose qui vous était caché. Et là, vous allez... quelqu'un, en tout cas, qui pense à vous, qui est en total déséquilibre. Et là, on vous parle encore de justice. Donc, la justice se fait par rapport à ce qui s'est passé, à cet accident, pardon, de route, façon de parler, vous voyez ce que je veux dire? Pas au sens propre, mais au sens figuré. Donc, il y a eu une erreur de parcours, il y a quelque chose qui s'est passé. En tout cas, on vous parle d'une transformation. Une transformation par rapport à ça. Donc, effectivement, si cette personne est partie loin de vous pour vivre peut-être quelque chose avec une autre personne, aujourd'hui, il y a un retour. Il y a un retour, je pense, de cette personne. Voilà, un retour de cette personne. Qui vient quelque part mettre les choses au clair, voilà, mettre les choses au clair avec vous concernant cette histoire de triangulaire, hein, voilà. On parle bien de quelqu'un de proche en tout cas, et comme j'ai eu la carte du cœur, donc je pense qu'on est plus sur une histoire sentimentale. Après, avec la carte du cœur, effectivement, on peut parler de quelqu'un de très proche de la famille aussi. Hein, voilà, ça ne pourra pas parler à tout le monde, bien sûr. En tout cas, on vous parle à la coupe de blessures concernant une histoire sentimentale, une histoire d'alchimie avec cette personne, beaucoup d'attirance, beaucoup de désir, mais beaucoup de souffrance. Alors, attendez, parce que là, ça saute de tous les côtés, les guides. Alors, est-ce qu'on peut avoir un peu plus de précision, s'il vous plaît, par rapport à ça? Donc, il y a encore une balance qui est là. Alors, peut-être le signe de la balance, peut-être, peut-être l'équilibre, d'accord? Celle-là, ouais, il y a une élévation. Alors, est-ce qu'on a un autre message à nous dire par rapport à cette situation, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut avoir un autre message? Qu'est-ce qu'on veut, s'il vous plaît, mes guides? Ouais, on dit que y a un retour à l'équilibre après une période plutôt désertique, plutôt la sécheresse, vous voyez, quelque chose qui fait mal et qui crée en fait des blessures. Des blessures. Et on vous dit que ça, c'est quelque chose qui dure depuis, qui a pris beaucoup de temps, qui a surtout laissé beaucoup de traces. D'accord? Voilà, qui dure, qui a laissé des traces. Et on vous dit que c'est une certitude. Ça concerne bien, en tout cas, une séparation. Vous vous sentez, je pense, le cœur plutôt brisé. Vous voyez? Ouais, le cœur brisé. Ok, est-ce qu'on peut avoir encore une carte? Alors, on vous dit qu'il y a donc une forme d'élévation par rapport à tout ça. Et de la chance. De la chance qui est là, qui arrive. Une opportunité, une chance, un hasard, mais bon, on sait très bien qu'il n'y a pas de hasard. Quelque chose qui est là, qui arrive, qui est tout près de vous, dans la même ville que vous. Alors, est-ce que c'est une autre personne? Qu'est-ce qu'on nous dit? On reparle encore de l'argent. On parle encore des tourments que vous pouvez avoir concernant l'argent. Et là, on vous dit que c'est terminé. Vous voyez, à la fin, vraiment, des choses qui vous tourmentaient concernant l'argent.
et on vous dit que y a plutôt une forme de bien-être qui est là, qui arrive, ça sent plutôt bon. Il y a une transformation en tout cas par rapport à cette situation, cette rupture aussi qui, je pense, vous a énormément blessé. Et vous allez, vous voyez, vers votre abondance. Voilà. Il y a une abondance qui arrive. Un cadeau. Soit le retour de cette personne hein, qui vient remettre les choses à leur place. Et tout compte fait, vous dire que ce n'est pas vous le ou la responsable de cet échec, mais plutôt lui et d'autres personnes. On vous parle encore de chance. On vous parle encore de chance. La fin de la tristesse. Peut-être que vous vous êtes retrouvé aussi financièrement, mes amis, dans une situation très, très, très compliquée. Et que là, quelque part, les choses se rééquilibrent au niveau financier aussi. Alors, est-ce qu'on a d'autres messages, s'il vous plaît? Ouais, on vous dit qu'il y a la chance maintenant, le retour au bien-être après une période très, très, très instable. Voilà, beaucoup d'instabilité en tout cas. Beaucoup d'instabilité toujours par rapport à cette rupture. Ouais. Toujours par rapport à cette rupture. Bon, j'ai pas d'empereur, d'impératrice, je n'ai pas de carte d'homme, de femme. Attendez, parce que j'ai un motif. Est-ce qu'on peut voir un petit peu je vais rajouter une carte. Ouais, vous voyez, j'ai la carte de la tristesse. Alors, vous êtes là. Il y a de la tristesse. Effectivement, il y a eu de la tristesse pour vous. Pour vous, impératrice, ou pour vous, empereur, là, quelque part, il y a un retour au bien-être hein, après une séparation, effectivement. Le cœur brisé. Le cœur brisé, la tristesse. C'était l'instabilité. Ok, par rapport à cette abondance, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a qui vient vers nous? Alors, peut-être que la femme que j'ai sortie là dans le jeu, peut-être que c'est cette personne qui est la cause de votre blessure, de votre tristesse. Alors, attendez, j'ai envie de les battre. Je veux aller voir au niveau de cette élévation. Alors, ça saute de tous les côtés. Alors, j'ai un homme. J'ai l'attirance sexuelle, la rupture et j'ai un homme plus jeune. Ça peut nous dire que ça, c'est votre autre, vous voyez, qui a une relation, donc on parle peut-être de votre autre, ou d'une femme ou d'un homme, qui est en relation, donc qui est dans cette relation, hein, puisqu'on parle de triangulaire, il y a peut-être une séparation par rapport à un jeune homme. Alors, vous savez ce que je vais faire? J'ai la femme qui est sortie, qui a voulu sauter. Alors, je vais aller prendre ça. Vous allez voir. Moi, j'aime bien savoir. On va aller voir un petit peu. Je vais prendre la carte de la sexualité. Je vais aller voir un petit peu ce qu'on peut nous dire concernant ces deux personnes. Ah ben vous voyez, on parle de la tierce. Elle est tombée. Donc, je pense, la justice divine, c'est ça. La justice divine, c'est que si cette personne, votre autre, vous a fait du mal, vous a trompé, pour parler clairement, aujourd'hui, c'est lui qui est trompé. D'accord? C'est lui qui est trompé, c'est lui qui va se séparer, parce que la tierce, en fait, elle a rencontré quelqu'un de plus jeune. Et il y a séparation. Est-ce qu'on peut mettre une carte? Oh là là. Et vous allez avoir des correspondances, hein, vous allez le savoir en tout cas. Soit ça va venir de quelqu'un qui vient vous le dire, soit ça vient de votre autre. Alors, est-ce qu'on peut mettre une carte sur cet empereur-là? Ouais,
regardez, il y a un changement en tout cas pour votre autre au niveau de son équilibre, au niveau de chez lui, de sa maison, de son intérieur, de sa maison tout court. Alors, sur cette séparation, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Il est en pleine discussion. Ça parle. Il y a de la jalousie, de la méchanceté, ça discute. On se réunit, on discute, on parle de tout ça. Ça blablate. Ouais. Et sur ce jeune homme-là, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur lui? C'est qui celui-là? Mais oui, culpabilité. Ben c'est peut-être ça le problème. Le problème, c'est qu'en fait, c'est lui qui est pointé du doigt. C'est peut-être lui le coupable de tout ça. Mais en fait, j'ai envie de vous dire que c'est tout simplement le boomerang qu'on a vu tout à l'heure, vous voyez. Moi, je pense que votre autre, il se protège parce qu'il sent très bien qu'il y a problématique autour de lui. Hein. Même au niveau de son cercle amical, c'est un peu compliqué, je pense. Je pense que là, on lui demande quelque part de se protéger. Vous voyez un petit peu aussi des gens qu'il a autour de lui. Alors, et cette tierce-là, qu'est-ce qu'on peut mettre encore sur elle? Est-ce qu'on peut mettre une carte sur, cette... ouais, regardez, il y a la carte de la trahison qui est sortie sur elle. Et on vous dit que c'est une chance. Ouais. C'est pour ça qu'il y a une belle évolution, vous voyez, au niveau de votre... petit cœur, parce que je pense que vous allez être très content ou très contente d'apprendre cette nouvelle. C'est le boomerang. Voilà. Moi, je vous le dis. C'est le boomerang. Ouais. Ok. Alors, j'ai acheté le tarot d'histoire de sorcière. Je l'aime trop. Mais le problème, c'est que je le gère pas trop bien encore. Donc, excusez-moi, hein, j'essaye de me familiariser. C'est pas facile parce que, voilà, mais je le trouve magnifique. Je le trouve magnifique. Je m'aide encore un petit peu du bouquin par moment parce que voilà, j'ai pas appris, j'ai pas tout appris. Donc, à la limite, si je prends des infos avec le bouquin, c'est que mieux pour vous pour ne pas dire de bêtises. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur cette situation? Qu'est-ce qu'on peut nous donner comme carte par rapport... quelle est l'énergie, en fait, de votre autre? Est-ce qu'on peut nous donner, s'il vous plaît, l'énergie de votre autre? Allez, l'énergie, donc, de votre autre. Ça a sauté. On parle de force. Ouais. On parle de force que même s'il y a la tempête, vous voyez, il y a la petite épée, là. Et lui, il la passe, cette tempête. Hein. Il est fort, il a son lion. Et même le chat, en fait, en bas, j'ai envie de dire qu'il est très fort aussi. Il est très sûr de lui. Ouais, il va se passer le, il va peut-être se passer la tempête tranquille, tout compte fait. Et même si, en fait, même s'il en doute, vous voyez, il est plus fort, en fait, que ce qu'il pense. Je pense que votre autre, il a un manque de confiance en lui. Et là, quelque part, avec cette carte, il va passer cette tempête, vous voyez? Il va passer cette tempête. Bah, de toute façon, j'ai envie de dire, il n'a pas trop le choix. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre sur l'énergie de votre autre? Allez, encore une carte, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on peut dire? Eh oui, il reprend sa place d'empereur. Bien sûr. Il est là, il est sur son trône, il est installé. Vous savez, la force tranquille. C'est quelqu'un de puissant, c'est quelqu'un de fort. Et je pense que c'est peut-être... En fait, si vous voulez, c'est une leçon pour lui. C'est une leçon. Il apprend de ses erreurs. Il reprend sa place d'empereur. D'accord? Et c'est une leçon, quelque part, pour lui, je pense, cette histoire. Voilà. Ouais. Ouais. En tout cas, est-ce que cet empereur est fiable? Est-ce que cet empereur est vraiment fiable? Ok.
qu'est-ce qui va se passer encore? Bah, regardez, hein, chez lui, la tour s'effondre. Hein. Il y a tout qui part en cacahuète. Voilà, tout s'effondre. C'est le gros bazar. Bah oui, forcément. Bon, j'ai une reine d'épée. La reine d'épée, bah, je pense que c'est vous. Je pense que c'est vous. Mais quelque part, en fait, si vous voulez, la reine d'épée, elle veut nous dire que là, il faut qu'il arrête de faire n'importe quoi, en fait. Et c'est ce qu'il pense. Je crois qu'il est dans cette réflexion de se dire que, de prendre conscience qu'il fait n'importe quoi. Que là, il y a tout qui s'effondre. Ouais, sa place d'empereur, ok, super. Sauf que là, il est dans l'erreur totale. Et que quelque part, alors vous êtes une reine d'épée. Vous avez compris certaines choses aussi par rapport à cette situation. Mais en fait, c'est sympa d'avoir une reine d'épée à côté de soi parce qu'elle a la sagesse. Et puis bon, voilà, aujourd'hui, c'est quelque part, il doit se dire, il faut que j'arrête de faire n'importe quoi. Vous voyez, il y a quelque chose qui se termine en dos de deck, j'ai la mort. Bon, voilà le message, on est à 30 minutes. C'était un message plutôt fort. Ça ne pourra pas parler à tout le monde, hein, donc soyez, restez tranquille avec ça, je le dis tout le temps. Guidance générale, message qui peut résonner en vous comme ça ne peut ne pas résonner. Voilà. En tout cas, la tour s'effondre chez votre autre et il y a un retour à la communication. Justice divine, ouais, et oui, l'arroseur a arrosé. Ok, je vous souhaite une bonne journée, merci beaucoup. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez faire un petit like, vous abonner, activer la cloche pour recevoir mes vidéos en temps et en heure. Je vous remercie encore. Gratitude infinie. Je vous souhaite une très belle journée. Ici à Marseille, il n'y a pas de soleil. Je vous embrasse. Bye bye.